Bonsoir à tous, c'est Skyred, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo de la map AdventureCraft. Coucou. Alors, on m'a dit il y a quelques temps, oui, qu'il fallait que je prenne donc les cookies que je donne au mec. Mec qui se trouve dans le village arbrophile où ils sont tous drogués. Donc voilà, nous sommes donc dans ce village, avec la musique. Oh yeah. Et donc c'est à cette personne-là, voilà. Wow, tu m'as ramené un cookie, mec. Pour te récompenser, je vais te passer mon joint actuel, le cookie m'ira pour la soirée. Mais ce sont tous des drogués. Vous recevez un joint. Cool. Tu vas avoir accès à des réalités transcendantales où les choses sont là et pas là à la fois. Par exemple, il se passe des trucs bizarres quand tu fixes les zones enfumées en plein trip. Tu veux que je me drogue en fait. Super. Intéressant. Ok. Une zone qui fume. Super. Donc, où est le joint? Hey, mec, tes cookies sont supprimés. J'ai pas eu de joint. Ah si, d'accord, j'ai un joint. Ok. Donc voilà, j'ai un joint. Voilà. Donc on va le fumer. Waouh. Ah, c'est génial ton joint, mec. Cool, du fric. Ok. D'accord. Comment on enlève le joint, là? Ah, d'accord. C'est super. Avec ce joint, je vais pouvoir accéder à des endroits que je ne connaissais pas avant. Comme... je sais pas, la maison privée de Bob Marley ou des trucs comme ça. Enfin bref. Intéressant. Donc oui. Oui, nous vivons dans les arbres en effet. Ok, bon, on va vite rentrer. Enfin, on va vite trouver des endroits avec de la fumée alors dans ce cas. Hein. Et on va fumer le joint, voilà. Et on va faire des choses. Donc voilà, le truc là pour l'instant qu'il faut faire, c'est trouver des endroits avec de la fumée. Et ça nous permettra donc de... Aïe, peut-être qu'il y en a là, aïe, mais c'est... Oh, ça fait mal, hein. C'est pas gentil. Est-ce que là, par hasard... Donc là, c'est un petit joint. Donc là, il n'y a rien, j'ai bien vu. Là, je suis complètement chié. C'est pas grave. Ah ouais, d'accord, je l'apparais là. Donc, avec ce joint, nous pouvons partir en voyage spirituel, plus ou moins, et accéder à de nouvelles zones dans les endroits où il y a de la fumée. Ok, c'est génial. Le truc, c'est que... Où est-ce qu'il y a de la fumée? Où? Peut-être par là-bas. Les endroits où il y a un joint, enfin non pas où il y a un joint, où il y a où il y a ah, mais la musique est atroce quoi. Ils voient vraiment le monde comme ça les mecs là. La drogue, quelle magnifique invention. Ne faites pas ça chez vous les enfants. Donc ok. Le village arbrophile, donc là on l'a à peu près visité. On va retourner à l'endroit là où on était, enfin on arrivait à passer, hein, d'autre côté, bah je sais plus trop quoi, enfin bref. Il doit pas y avoir qu'un seul endroit avec de la fumée de toute façon, donc ce bon vieux joint va nous servir dans notre vie. Voilà. Alors, bonjour. Avez-vous trouvé un endroit avec de la fumée? C'est pour me rouler un joint. Non, pas de traces de joint, de fumée ou de je sais pas quoi. Peut-être par ici ou ailleurs. Hey, il y avait un mec ici. Il a disparu.
Ah, mais oui, le joint, le villageur profil, tout ça, regarde. Vous n'êtes pas assez défoncé. Dégage-toi. Et maintenant, je suis pas assez défoncé. Oh. Mais je viens de me rouler un joint. C'est vraiment pas drôle. En tout cas, les couleurs sont très jolies. Bref. Ok, bon, j'ai eu une lueur d'espoir. Mais c'est pas grave. Bon. Eh bien, on va faire un petit tour alors. On m'avait dit également d'aller reparler à l'inconnu qui avait au village. Bah, on va faire ça. Je crois que j'ai pas trop le choix. Puis, on va essayer de trouver les endroits où il y avait. Où il y avait donc de la fumée. Et on va se rouler des joints. Voilà. Ça a l'air génial. Wow. Aïe. Bonjour. Partez donc à l'aventure. Oh, pff, plus inutile, tu meurs. Bref. Où est-ce qu'il y avait donc des trucs où je pouvais me rouler un joint? C'est... Je sais pas. Ok. Bon, alors je vais faire des ellipses, histoire qu'on se retrouve devant tous les endroits à peu près où il y a de la fumée, hein, et puis qu'on... Et qu'on se roule un joint devant. Voilà. Et qu'on... Bah, qu'on soit arrêté par la police après. C'est drôle. Voilà. C'est génial. Putain, ça, c'est vraiment le système de porte le moins pratique au monde. Bon. Allez, on va faire donc des petites ellipses et on se retrouve devant des endroits avec de la fumée. C'est parti. Ok, re. Donc on est 2 cm plus loin. Là, il y a un endroit qui fume. Ah ah. Oh. Nice. Bidi bidi. Je vais lâcher le botage parce qu'il n'y a rien. Voilà. Donc, eh ben, ça fait un endroit avec de la fumée. Allez, on se retrouve ailleurs. Donc il y a de la fumée ici. Roulons-nous donc un joint. Je pense que je vais faire une overdose. Et puis merci au mec qui m'a dit de mettre le cookie, hein, de donner le cookie. Ça va bien m'aider. Waouh. Oh, c'est génial. Ah, c'est génial. Ah ouais, j'en avais vraiment besoin de ça. Bah merci en tout cas. On se roule des joints, c'est la folie. Là, d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas un petit passage ou un truc comme ça par ici. Non, même pas. Dommage. Comment je fais pour passer alors? Je suis sûr il y aura un truc spécial où on pourra sauter 2-3 blocs parce que sinon, sinon on pourra pas quoi. On pourra pas passer. Enfin bref, allez. Je continue mon exploration des zones avec fumée, c'est parti. Ok, donc on se retrouve, je suis dans... Aïe! Dans la librairie, et en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais soit il y a tout qui a changé, soit je sais pas trop quoi, enfin bref. J'ai trouvé donc un passage avec un archiviste ici. J'essaie de ranger tout ça tant bien que mal. Sniff! Et en effet, mon pauvre, je t'ai plein. Donc ouais, apparemment, j'ai trouvé un petit passage que je n'avais pas vu avant. Là, c'est là, sur le côté aussi. Voilà. C'est très bizarre d'ailleurs. Comment ça se fait que j'ai raté? Et oui, ça a changé, c'est obligé. Enfin, je sais pas, peut-être. Bizarre. Donc, il y a un autre petit endroit, et voilà, hop, cool, 2 pièces d'or. Donc on se retrouve, là je viens de tomber sur ça, on était passé à côté sans le voir apparemment. Hop. Donc qu'est-ce que c'est que ça encore, un trou? Aïe. Homme bizarre. Oh, c'est quoi ça? Tu ne peux ouvrir qu'une des deux portes, c'est le choix de Sophie. C'est qui Sophie? Genre, je sais pas. Ok, ça c'est ultra fourbe. Ok, je veux bien faire ton truc. On va ouvrir les deux portes, mais on va rester sur cette partie-là. Je vais vous expliquer. En gros, j'ouvre une porte et dans la deuxième, je fais une sauvegarde et j'ouvre la deuxième porte pour voir ce qu'il y avait. Donc, je vais ouvrir la porte numéro 1, parce que c'est le choix qui paraîtrait le plus illogique. Être le plus illogique, pardon. Ouais, ça m'a l'air intéressant. Sûr qu'en fait on peut rejoindre le deuxième passage, c'est bien ce que je pensais.
Ok, ouais, donc de toute façon, même si on ouvre les deux portes, bah, je pense qu'on tombera, on pourra avoir les deux. Ok. En effet, ça ne marche plus. Donc voilà, il nous faut une fois de plus nos gants qui permettent de tirer les blocs là. Donc je sais pas, on les trouve peut-être dans la prison. Le problème c'est que je peux pas y aller pour l'instant. Donc, eh bien, faut attendre. Et sur ce, on continue notre exploration pour trouver des endroits qui fument. Oui, des endroits qui fument. Allez, donc c'est parti. Donc apparemment, il y a dans ce village également un endroit, enfin une grande liane, si je puis dire, qui monte vers le ciel. C'est... Wow, aïe. Bon, ok. Faut monter rapidement, quoi. Rapidement, j'ai dit... Ah. Voilà. Essayez de pas crever. Allez. Et voilà, j'ai encore un quart de cœur. Bah, dis donc. On est gâtés, nous. Donc voilà, il nous reste plus qu'un quart de cœur et je sais où le trouver, à peu près. Ce que je vais faire est extrêmement dangereux. Je suis mort, c'est pas grave. Oui, donc... je continue à trouver les endroits où il y a de la fumée. Allez, c'est parti. Rebonjour. Bon, alors, ne trouvant absolument aucune solution à ce que je devais faire, j'ai regardé donc une sorte de soluce. Et apparemment, il faut bien que je discute avec ce mec. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Comme vous pouvez le voir, j'ai un sac de bombes. Voilà, mais je sais pas. Le mec ne veut pas me parler. Pourtant, même si j'ai des bombes, ça marche pas, quoi. Alors, je sais pas trop comment m'y prendre. Hein. Voyons voir. Je pourrais très bien faire un reset des chunks pour essayer, mais c'est pas sûr. Enfin, ça va me poser des gros problèmes, quoi, après. Ouais. Alors, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Je vais peut-être m'acheter des bombes. J'ai une couronne, trop de swag en moi. Je possède le swag. Non, vraiment, je sais pas. Si vous avez une solution à ça, peut-être utiliser le mode qui débug ou je sais pas quoi. Partez donc à l'aventure, jeune homme. Là, normalement, il est censé me donner une autorisation de l'empereur. Bon, au pire, ce qu'on va faire, c'est faire 100, en gros. C'est se giver l'autorisation parce que là normalement, je sais pas, c'est très bizarre. Alors on peut toujours essayer de se regiver. Ah, c'est pas vrai. Voilà, je vais toujours essayer de faire ça. Non. Pas que je me plante de boutons parce qu'il y avait un truc qui peut tout faire, tout reset, et c'est très très chiant. Bref, et donc là on a notre petit joint. Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais prendre, peut-être des bombes, on va essayer, hein. Et puis sinon, et ben, où est l'autorisation? Lettre à l'endroit, lettre à l'envers, bien sûr. Voyons voir. Non, une carte. Bref. J'espère qu'on pourra au moins la voir. Bon, bref. Non, regarde, j'ai une bombe dans mon inventaire. Ah, mais c'est pas possible. Les PNJ qui bug. Bon. Dans ce cas, je vais devoir me giver la lettre. Hein. Pas 36 000 solutions, quoi. Normalement, je suis dans la dernière version. Ah, il passe, voilà. Hop. C'est bien ça, il me semble. Ou un autre truc. Non. Il est chiant, lui. Bon. On va déjà descendre. Puis voir si on peut avoir accès à la prison, sinon je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire. J'ai pas envie de m'arrêter là, quoi, il y a un donjon entier derrière.
est censé faire aussi, donc je sais pas. Et là ça veut pas tomber, j'ai essayé, hein, ça ne marche pas. C'est bien dommage. Bref, voilà. Il y a une autorisation de l'empereur. Oh là là, autorisation de l'empereur. Pourtant, ça doit y être normalement. Soit ça n'a pas été encore fait, soit. Ça me ferait chier d'ailleurs que ce soit pas encore fait. Bah, je sais pas trop quoi faire là, je vais vous l'avouer. Pourtant c'est bizarre, le mec il lui a parlé pouf direct, c'est parce qu'il a le sac de bombe, je sais pas quoi là, mais direct il l'a eu, son autorisation. Donc je ne sais pas, c'est très bizarre. On va essayer avec un sac de bon moyen. Je sais qu'est-ce que je fais, c'est peut-être pas bien. Mais c'est notre seule solution, quoi. Après, je sais pas. Donc, sac de bon moyen. J'ai dit sac de bon moyen. Ouais, bon, bref, on va voir quand même. Donc, on retourne en haut. C'est bien long, ça prend 4 ans, c'est génial. Tout des téléporteurs, quoi. Donc voilà. Ah et puis il y a ça aussi. 21, voilà, je peux le faire. Allez hop. Voilà. Eh. Oui, donc voilà, un cœur en plus. C'est génial. Donc voilà. On a notre petit cœur en plus. Ça c'est cool. Et puis on va parler à ce mec là. J'espère qu'il va marcher. Attention. Ah allez. Partez donc à l'aventure, jeune homme. Oh, c'est chiant. J'ai besoin d'aide. C'est bien beau de parler au mec, mais est-ce qu'il faut faire un truc entre avoir le sac de bombe ou je sais pas quoi? Enfin, dites-le moi là, parce que c'est soit ça, soit je reset. Hein, donc, bon, pour cet épisode, on n'aura pas fait grand chose, mais bon, hein. Dites-moi pour ceux qui l'ont fait cette map si j'ai raté un truc. Et comme ça, on pourra avancer un peu plus. Allez, sur ce, et bien, salut à tous, c'était Skyriad. Hein, on se retrouve donc à la prochaine vidéo. Répondez-moi, je vous en supplie. Allez, salut à tous !